Bonjour, je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette édition du petit journal. Nous sommes le 4 septembre. C'est la reprise donc des vidéos hebdomadaires. C'est aussi la reprise pour tout le monde, pour nos enfants, pour vous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes reposés et je vous souhaite vraiment une très très belle rentrée. La rentrée des classes à Avon s'est très bien passée, dans des conditions finalement aujourd'hui normales en termes d'accueil des enfants, que ce soit dans les classes, dans les restaurants scolaires, ou dans les services périscolaires de la mairie. Les élus ont travaillé déjà depuis cet été et nous reprenons cette semaine nos réunions hebdomadaires. Et avant, à la fin de cette année, nous tiendrons une grande réunion publique pour vous présenter l'application pluriannuelle de toutes les mesures du programme sur la base duquel vous nous avez élus. Et je vous remercie encore une fois de la confiance que vous nous faites. Vous parlez également de la continuation de malheureusement de l'épidémie et vous vous informez qu'il y aura un stand de dépistage gratuit à Avon. Je ne peux pas encore vous donner la date, mais ça sera sur ce mois de septembre. Vous en serez évidemment tenu au courant très vite. Pour les informations plus ponctuelles, bien sûr, demain, c'est le forum des associations. Il est maintenu avec l'accord du préfet parce qu'il se tient en extérieur, forum des associations d'Avon et de Fontainebleau. Il aura lieu de 14h à 18h. Vous pouvez arriver vraiment jusqu'à 18h parce que les associations accepteront de rester un peu plus longtemps sur les stands. C'est peut-être un moyen pour vous d'étaler vos arrivées et pour nous de réduire les pics d'affluence qui pourraient éventuellement favoriser des propagations. Mais tout sera mis en œuvre pour éviter la propagation du virus. Le port du masque sera bien sûr obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l'entrée du forum. Il y aura un sens de circulation pour la distanciation sociale. Nous vous demandons d'apporter vos propres stylos pour les bulletins d'inscription que vous allez éventuellement remplir sur place. Et puis aussi, vous pouvez ne pas nécessairement venir sur le forum et consulter les sites internet des associations de sport, de culture, de pratiques artistiques d'Avon et de Fontainebleau, parce que la plupart mettent en ligne ce que vous venez souvent chercher sur le forum, à savoir la grille des activités, les horaires, les tarifs. Il n'y aura pas de démonstration ni d'initiation cette année, pour des raisons là aussi de sécurité sanitaire. La culture, les expositions au pavillon de l'érable repartent. Ça sera à partir de ce 5 septembre et jusqu'au 27 septembre, une exposition de peinture Parabole de Guillaume Peslin. En ce qui concerne la culture, je suis aussi obligée de vous informer que la médiathèque reste fermée pour le moment. D'abord parce que, toujours pour des raisons de sécurité sanitaire, la médiathèque, vous le savez, est un petit espace très confiné. La manipulation des livres pose problème. Donc, pour le moment, nous restons fermés. Il y a aussi le fait que les équipes de la bibliothèque sont déjà à pied d'œuvre pour préparer l'ouverture de la nouvelle médiathèque que vous voyez grandir chaque jour et qui sera ouverte au printemps. Donc, elles sont très mobilisées, ils sont très mobilisés sur ce travail. Néanmoins, dès la semaine prochaine, je serai en mesure de vous proposer des mesures alternatives pour pouvoir continuer à emprunter des livres. Et puis le sport, dimanche, nous aurons, comme chaque année, le départ de la course cycliste Paris-Avon-Laurel-Bocage sur le parking de la Maison dans la Vallée à 9h30. C'est une course cycliste de grande importance avec un parcours de 120 km et qui attire chaque année des centaines de cyclistes. Donc, venez les encourager pour le départ à 9h30. Voilà, écoutez, très bonne semaine.